Dans la famille Fitoussi, on pense généralement d'abord à Grégory, l'acteur bien connu pour avoir autrefois joué dans Sous le Soleil, puis dans Engrenage ou encore La Garçonne. Mais celui-ci n'est pas le seul comédien du clan puisque Michael Fitoussi, son frère donc, s'illustre lui aussi dans différentes fictions télé ou encore sur grand écran. Pour l'anecdote, si l'on remonte plus de 20 ans en arrière, Grégory et Michael Fitoussi avaient même joué ensemble dans Sous le Soleil où ils incarnaient respectivement les frères Benjamin et Matt. Par la suite, Michael Fitoussi a enchaîné les rôles dans des courts-métrages, téléfilms et diverses séries. En 2013, le public l'a retrouvé le temps d'un épisode au générique de Profilage sur TF1. Il est aussi intervenu dans la 7e saison des Engrenages sur Canal+ en 2019. Depuis 2014, il tient aussi un rôle important dans la fiction à succès Alex Hugo, diffusée il n'y a pas si longtemps sur France 2 mais désormais proposée par France 3, portée par Samuel Le Bihan. Ici, il se glisse dans la peau de Pascal. Michael Fitoussi et son frère Grégory ont fréquemment collaboré ensemble, décidément inséparables. Michael et Grégory Fitoussi ont joué ensemble dans le court-métrage Aliéné des Abraham Bellaga, aux côtés de Fanny Ardant, en 2014. En 2021, il a écrit le film Jour Sauvage avec David Lanzmann qui s'est aussi chargé de la réalisation. Michael Fitoussi a également joué dans ce projet le personnage de Carlos dans lequel il a donné la réplique à Alain-Fabien Delon, vu dans Grand Hôtel sur TF1, Redouane Ariane et Lola Aubrière.